Samy et Julie rencontrent Toby. Les personnages de l'histoire, Julie, maman, papa, Samy et Toby. Quel dimanche tristouné! Il ne cesse de pleuvoir. Chacun s'occupe comme il peut et Toby dort profondément. Maman, dit Julie, j'ai besoin de photos de Toby bébé, s'il te plaît. Je veux raconter son arrivée à la maison, mais j'ai tout oublié. Regarde, ma chérie, je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur là-dedans. Petit à petit, Julie pousse des cris de joie. Oh, il est trop chou! Papa et Samy regardent à leur tour. Tu te souviens, demande maman, avant d'aller le récupérer, on lui avait acheté son panier, un collier, une laisse et sa gamelle. Et un petit ciré rouge, ajoute Samy, mais il n'a jamais voulu qu'on le lui enfile. Et nous sommes partis le chercher dans un refuge, se rappelle papa. C'était Toby le plus mignon, dit Samy. Ma préférée, c'était la chihuahua qui courait dans tous les sens. Mais elle était trop agitée, se remémore maman. Souvenez-vous, raconte papa, Toby est tout de suite venu dans les bras de Samy et lui a léché la joue. On peut dire que c'est Toby qui a choisi Samy. Il était trop mignon, ajoute Samy. Il me faisait des bisous. On l'adore, a déclaré papa. Il s'appelle Toby. On l'adopte, a déclaré papa. Il s'appelle Toby. Gardons-lui son nom. Bienvenue chez nous, gentil toutou. Mais vous n'avez jamais voulu qu'il dorme dans notre chambre, raconte Julie. Vous vous souvenez qu'il détestait marcher avec sa laisse. Il fallait le tirer pour qu'il avance dans la rue, dit Julie. Il avait peur des voitures, réplique Samy. Mon petit toutou d'amour. Et tu te rappelles, Samy, le jour où ton Toby d'amour a déchiqueté ton doudou? Interroge maman. Mais Samy ne se le rappelle pas vraiment. Et puis, toutou adoré, toutou pardonné. En tout cas, poursuit papa, ce qui n'était pas prévu du tout, c'est que l'adorable petit toutou devienne énorme et qu'il ronfle comme une locomotive, ajoute maman. Mais Toby, c'est mon Toby chéri, conclut Samy. À ces mots, Toby dresse l'oreille et se réveille. Bon chien, lui dit Samy en lui faisant un câlin. Il est temps d'aller le promener, suggère papa. Toby, va chercher, crie Samy. Qu'est-ce qu'on aurait fait d'un chihuahua? S'amuse papa. C'était Samy et Julie rencontrent Toby. J'espère que cette histoire t'a plu. À bientôt pour une nouvelle histoire.